Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va se faire mes petits achats que j'ai acheté hier exactement. J'étais à Cora et là il y a un truc de livre et du coup je me suis pris quelques livres. Voilà, et du coup je voulais vous montrer, mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'Amazon, que j'avais fait une commande, un peu déçu parce que le livre est défoncé, dégueulasse et une horreur. Regardez, là déjà il est défoncé, là il est une tache toute noire, toute jaune, je sais pas quoi. Enfin, du coup c'est Jamais plus de Colleen Lover, Hugo Roman dans la collection voilà, il est trop beau. J'avais vu ça chez je sais plus chez qui que j'avais vu, qui m'a tenté de me le prendre, je sais plus. Voilà, le reste est de chez Cora. À Cora je les ai achetés. Du coup je me suis pris, j'ai envie de tester. J'ai vu sur mon groupe et dans plusieurs personnes qui lisaient les mangas, mais l'atelier des sorciers, le tome 1. Du coup je me dis je vais tenter, je verrai bien qu'est-ce que ça donne. Je n'ai pas lu le résumé parce que les personnes m'en ont déjà parlé. Je trouve les dessins assez beaux. Voilà, bien sûr je vais sur une page fort noire. Hop. Voilà, je verrai ça, je me lirai ça bientôt. Après je me suis pris, je ne l'ai pas encore vu ni vu parce que je n'ai pas Disney Plus pour sauter, j'en ai déjà vu. Et voilà, mais je me suis pris Mulan, le roman Mulan, Disney, je sais pas la collection, au roman du film, roman illustré avec des photos du film. Voilà, oui, j'ai vu que là il y a une partie avec quelques photos. Du coup voilà, j'ai pas le film mais je regarderai ce livre. Enfin je sais pas si je lirai avant le film, on verra bien. Après je me suis pris une série qui me tentait depuis un moment aussi, que j'ai vu sur mon groupe, que tout le monde lit. C'est Le Marchand de Sable aux éditions Hugo Poche. Et c'est égal, je sais pas quoi le nom de nom de l'éditeur qui est juste là, qui est bizarre. Alexis. Voilà, le tome 1 et tome 2. Je crois que c'est le tome 1, celui-là, qui est trop beau, avec le beau garçon, et le tome 2 avec la jolie fille. Voilà, on se lira ça d'ici un moment. Et puis j'ai pris une bricasse, mais vraiment une grosse bricasse. C'est le regardez ça, regarde ça, c'est trop Cravale Natale, mise en caisse de Hugo Roman, chez Jana Rousselet. Voilà, il est trop beau aussi le monsieur, mais moi il me fait un peu peur. Du coup on verra bien, je pense qu'il va aller quand même assez vite. Il y a combien de pages dans celui-ci? J'avais vu hier 75 pages. Oui, c'est quand même deux livres de 400 pages quoi, presque, hein. Voilà, on n'est pas un peu plus, enfin moins de 400 pages parce que du coup voilà. Et je trouvais il y avait des petites chapitres trop beaux avec des petites taches d'encre comme ça. Du coup on verra ça, et j'en vois beaucoup qui disent que qu'il est assez beau. Voilà, du coup je n'en ai pas plus, j'ai juste écouté ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est trois mots écrits dans une écriture. Ouais, il y a plusieurs écritures, j'ai vu ça. Il y a l'écriture normale. Et bien sûr, je vais pas en tomber sur une, sur l'autre. Allez. Non, bien sûr, je vais pas en trop tomber. Je sais pas. Je sais pas où. Bon, enfin, soit, on verra bien. C'est au roman, du coup, moi, c'est ce qui est roman. J'aime bien. Alors, on va se faire ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mettre la toute petite cloche, comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous le savez, temps et en heure. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.